Salut l'examiste. Eh ben voilà, on est fin avril, le bateau est fin prêt. Qu'est-ce que j'ai fait cet hiver dessus? Entretien moteur, hein. Bon, comme d'habitude, il y a plein de tutos qui expliquent très bien tout ça. Perso, j'ai tout fait dessus, vidange, filtre, tension des courroies, entièrement rétrofité la pompe eau de mer, parce qu'elle fuyait. Et je me suis aperçu en fait en la démontant que le joint spi d'arbre de la pompe était monté à l'envers d'usine, hein, bateau neuf. Hein. Donc ne pas faire confiance même quand c'est monté en usine. J'ai détartré également l'échangeur thermique, mais vous avez dû y voir dans une autre vidéo, un détartrage classique, je dirais, bon, avec la pompe en circuit fermé. Ensuite, au niveau électricité, maintenant je suis au top, parce que c'est pareil, ça d'origine, quand on baisse le sectionneur moteur, on est censé continuer à charger les batteries, et il s'est avéré que le montage était mal fait là aussi, et que quand le sectionneur moteur était baissé, sur off en fait, ça ne chargeait ni la batterie moteur, ni la batterie propulseur d'étrave. Donc du coup, quand je rattaquais mes saisons, les batteries moteur et propulseur d'étrave étaient fichues. Parce qu'une batterie déchargée, on peut lui faire du bouche à bouche, hein, elle va reprendre un petit poil de charge, mais pour une saison en mer, où on fait quasiment que des mouillages, on oublie, pour être au top. Donc j'ai refait tout mon système électrique d'une manière cohérente. Et maintenant, j'ai plus de soucis de cet ordre-là. D'ailleurs, je ne branche plus du tout mon bateau, qui est assez complètement inutile. À part pour avoir de l'eau chaude, mais bon, il y a les sanitaires à la capitainerie, etc., qui sont très très bien faits. Franchement, je le branche même plus, ok. Avec les panneaux solaires, ça fonctionne très très bien. J'ai révisé également les winches, qui n'en avaient pas besoin du tout, mais bon, je l'ai fait, puisque tout le monde dit qu'il faut le faire, je veux bien. Mais perso, je mets des protections tout l'hiver sur les winches, et quand je les ai démontés, ils étaient comme neuf, quoi. Mais c'est pas grave, c'est bien de le faire, c'est bien de vérifier. Hein. Là aussi, il y a plein de tutos, vous allez voir sur les tutos. Je suis pas professeur de nettoyage de winch. Donc ça c'est fait, l'égrément c'est nickel, tout est au top. Il n'y a plus qu'à faire le carénage, mais ça c'est juste avant de partir en mai. Carénage, changer le joint d'arbre d'hélice. Changer également la bague hydraulique, parce que tant que j'y suis, je vais sortir l'arbre d'hélice complet. Donc, tant que j'y suis, j'en profite pour changer la bague hydraulique, parce qu'on sait très bien que si ça bat un peu, ça va fatiguer le joint, etc. Donc, il vaut mieux faire les deux en même temps, comme ça on est tranquille. Si cet hiver, ce que j'ai fait aussi de drôlement important, c'est de remonter le ralenti du moteur, qui était beaucoup trop bas d'origine. C'est un 3 cylindres, hein, le Yanmar. En 20 chevaux, là, c'est un 3 cylindres, et 3 cylindres, ça mérite un ralenti légèrement plus haut qu'un 4 cylindres, parce que forcément, sur un cycle, vous avez une explosion de moins, donc il boitait, quand il était au ralenti, il boitait constamment, et je pense que ça a dû fatiguer le joint d'arbre d'hélice aussi, puisque le joint est lié, l'arbre, est lié au moteur, et donc si le moteur boite, et ben ça tire sur le joint également, puisque votre arbre boite aussi, et c'est ce que je constatais, donc j'ai remonté un ralenti jusqu'à ce que le moteur ne boite plus, qui tourne rond. Un 3 cylindres, je vous le répète, un bicylindre c'est encore pire, il faut qu'il tourne encore plus haut. Des monocylindres, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, s'il y a des anciens qui ont des vieux moteurs avec des monocylindres 500 cm3 là, qui tapaient fort, qui étaient super sympas, là aussi il faut un ralenti qui est autour des 1200 tours, hein. En dessous, c'est pas bien bon pour la mécanique parce qu'elle tape. Donc voilà pour ce qui a été fait cet hiver, et puis aujourd'hui on est fin avril, je vous l'ai dit, on va chercher les t-shirts.
Oh. Ah ben, ça tourne. Bonjour, bah oui, j'enlève la casquette. Tu vas bien? Bonjour jeune homme. Nickel. Ah, ça va toujours, hein. Bon, bah, impeccable, ça tourne fort, hein. Ça bricole ce matin, ouais. Mais c'est comme bien, le c'est bien. Avec nous, impeccable. Ça te fait du monde. Je savais pas si tu souhaitais qu'on communique sur les t-shirts ou pas. Soit on donne disons la combine. Que... Alors, disons que les t-shirts, clairement, je n'aurais plus le temps d'en faire. Les t-shirts, c'est bien en avant-saison. Là, on commence à avoir du monde. Et en plus, pour être honnête, j'ai pas été super satisfait de mon boulot. Dans c'est ce vrai là. Ouais, là, j'ai pas pu mettre les petits nœuds. Donc, ah, c'est pas grave. On a bel et bien, on retrouve le nœud derrière. Chouette, hein? Le nœud Mara. Ouais, super. Ouais, devant c'était trop petit. Mais devant, en effet, c'était trop petit. Donc, ça déjà. Bon, c'est pas grave. J'ai été super contente de moi. J'aurais vraiment voulu qu'on le retrouve devant. Et voilà. Eh ben, impeccable. Ben, écoute, je te remercie. Et donc, les t-shirts, c'est plutôt l'hiver, les trucs comme ça? Ouais, les t-shirts, hein, c'est bien l'hiver, en avant-saison, en après-saison. Et puis là, c'est donc, le mois de mai, ça commence. Et comme je fais les casquettes, c'est que j'ai énormément de demandes. Ouais, je vois ça. Le produit principal. Et l'idéal, c'est que les gens viennent avec leur t-shirt. Et il ne faut pas prendre n'importe quoi, parce que ça tient pas sur ma Alors, le coton, c'est très bien. Après, j'ai une imprimante à sublimation. Ça veut dire que je peux carrément prendre une photo de gueule ou la photo d'un bateau que j'imprime sur une A4. Tout à fait. Et que je peux mettre sur un t-shirt. En revanche, pour ce procédé-ci, attention, uniquement des t-shirts clairs, c'est-à-dire des bleus assez clairs. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, vous savez tout. A plus. A plus. Début de la saison 2022, on est le 21 mai, départ du Cap, direction Est, avec une météo un peu compliquée, mais on va se débrouiller, ça va le faire. On a la voile, c'est déjà bien. Allez, salut. Bon bah voilà, je repars de Port Camargue. Hier soir je me suis cassé le pied, avant-hier soir je me suis cassé le pied en mouillant juste devant le port là. Donc j'ai passé la nuit au mouillage, c'était supportable. Et quand je me suis levé le lendemain matin, donc hier, je pouvais pas mettre le pied par terre. Donc je suis rentré dans le port, je me suis fait soigner. Et puis bah, tout va bien, là je repars parce que la météo va être compliquée ensuite. Donc je repars du coup direction Agde, demi-tour. Voilà, il fait pas très beau, mais le vent va être portant un petit peu jusqu'à... Il est 7h30, là on est le 23 mai. Le vent va être portant à peu près jusqu'à 9h. Et puis après j'aurai du vent de travers, ça devrait aller, ça devrait le faire. Voilà, bah, je vous montre un petit peu ma blessure de guerre. Ah, le travail. Oh ça va, ça se passe bien. Ça s'est bien passé en tout cas. Je me suis bien débrouillé. Par contre, la capitainerie Port Camargue un peu light hein, sur les gens blessés. Débrouille-toi quoi en gros.
Heureusement qu'il y a Internet, j'ai trouvé un centre de soins. Il y a un gentil navigateur qui a pris sa voiture qui m'a emmené. Et par contre, pour le retour, ben, débrouille-toi. Quoi. Pas de transport en commun, pas de VSL, pas d'ambulance, donc taxi. Ben, c'est pas grave, encore une fois, ça s'est bien passé. Nickel. C'est pas beau, c'est pas beau. Mais demain, c'est pire. Donc, je préfère partir aujourd'hui. Salut l'examiste. Eh ben, j'ai démarré ma saison samedi. On est mardi 24, là. J'ai démarré ma saison samedi. Donc, je suis parti du Cap d'Agde pour la première étape qui était Port Camargue. Et puis, je suis arrivé devant Port Camargue. J'ai mouillé, puisque la mer était belle. Il y a un joli mouillage juste à l'entrée de Port Camargue. Et en mouillant, tout s'est bien passé. Mais en redescendant dans le cockpit, j'ai glissé, je me suis cassé le pied. Une double fracture. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait tout de suite. En étant mouillé, je me suis mis un coussin hémostatique, etc. J'ai pris des cachets, de la pommade. Et puis, je me suis couché comme ça. Mais le lendemain matin, je me suis rendu compte immédiatement que je pouvais pas continuer comme ça. Donc, je suis rentré au port. Ils m'ont trouvé une place de port immédiatement. Hein. J'ai demandé de l'assistance pour l'amarrage, mais je me suis amarré tout seul à cloche-patte, hein, parce que le gars pour m'amarrer est arrivé trop tard. Et ensuite, il a fallu aller à la capitainerie pour faire les papiers, parce que c'est obligatoire. Il n'y en a pas un qui se déplace. Donc je suis allé tant bien que mal à la capitainerie pour faire mes papiers. Et là-bas, j'ai demandé de l'assistance pour m'emmener à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Et puis là, une femme sympathique, hein, mais complètement déboussolée. Visiblement, ils n'avaient pas de protocole pour quand il y a des gens qui sont en difficulté comme ça. Et en gros, c'était débrouille-toi. Quoi. Donc, je suis sorti de la capitainerie un peu dépité. Puis je cherchais sur mon téléphone où est-ce que je pouvais me faire soigner. Parce qu'appeler les pompiers, c'est la facilité, mais je ne trouve pas bien ça normal. C'est des gens quand même qui sont occupés pour des tâches bien plus graves qu'un pied cassé. Et j'ai voulu me débrouiller, surtout que du peu que je connaissais du coin, les hôpitaux qui ont des urgences, c'est Montpellier ou Nîmes. Donc ça me faisait loin, surtout que le retour est toujours à votre charge. Hein. Donc ça m'embêtait un petit peu d'aller si loin. Et en cherchant sur mon téléphone, j'ai trouvé un centre de soins rapide, je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai ça dans les commentaires si vous voulez, qui était à la Grande Motte, donc juste à côté. Et puis pendant que je faisais ça, y a quelqu'un qui m'interpelle, qui me dit: monsieur, je peux vous aider, je vous ai vu monter les escaliers, la cloche patte et tout ça. Et je dis je sais pas, je me suis cassé le pied, j'ai aucune aide, j'ai rien du tout. Et le gars, super sympa, il me dit: mais attendez, je vais chercher ma voiture, je vous emmène et tout. Bien sûr, c'était un navigateur. J'étais un peu gêné, je le connaissais pas. Il m'a dit: non, mais attendez, si ça m'arrivait à moi aussi, j'aimerais bien que quelqu'un se comporte comme ça. Donc du coup, le gars m'a emmené me faire soigner. Ça s'est très très bien passé toute la suite. Le lendemain, donc le dimanche, je suis resté au port. Et puis le lundi matin, j'ai fait demi-tour, je suis rentré sur Agde. J'ai 5 semaines de convalescence, 5 semaines sans poser le pied par terre. Donc important que je me repose, donc là je suis confort dans le bateau, mais je reste une petite semaine et puis ensuite je remonte chez moi pour finir mes soins et ma convalescence, et ensuite je rattaquerai la saison, mais plus tard. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'en Sardaigne, j'espère, on verra bien. De toute façon, c'est une aventure comme une autre, hein, et la voile, c'est ça, c'est des aventures. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se casse le pied? Et sur un bateau, on boit du lait, hein, on boit du lait pour soigner tout ça. Et puis on regarde Roland Garros à la télé, c'est Joe Wilfried Tsonga qui joue bien en plus. Si j'arrive à retourner mon écran, je vais le faire comme ça. Voilà, si vous voyez, mais bon, tranquille quoi, tranquille au repos. Ah, puis je vous ai pas montré ma garde-robe. Attention, ça rigole plus là, maintenant ça va faire mal, hein. Vous avez vu ce qu'il y a écrit ici, hein. Alors respect, hein, pour tout le monde. Hein. Et puis dans le dos, ça doit être pareil, mais en plus grand, je sais pas si on va bien voir. Voilà, bon, c'est pour rigoler ça, hein. On s'en fiche un peu. Je préfère essayer mon spi quand il y a du vent qu'avoir un t-shirt, on sait que ça. Allez, salut à tous.